journée remise en selle moto ici au centre des permis de conduire d'examen à Pouilly, qui nous permet par 7 ateliers différents de sensibiliser aux dangers de la conduite des deux roues et aux précautions à prendre. On a une centaine d'inscrits en lien, donc c'est une journée qui est faite en lien avec l'escadron départemental de sécurité routière du groupement de gendarmerie de la Moselle et la sécurité routière de la préfecture. On constate qu'il n'y a pas énormément de jeunes, il y a des femmes, ça c'est un point positif, et elles conduisent également des motos. Les jeunes sont un public difficile à toucher de manière générale, que ce soit sur les journées sécurité routière grand public comme les spécifiques motos. C'est un public qui est très compliqué à toucher, ce qui fait qu'on a tendance à vouloir développer nos partenariats avec l'éducation nationale et avec les universités afin de les sensibiliser davantage. C'est utile parce que les usagers des deux roues motorisées sont surreprésentés dans les accidents mortels de la circulation. Au niveau national, et en Moselle, les chiffres sont à peu près les mêmes. Ils représentent 2% du parc circulant global et pour autant 25% des accidents mortels. Donc on voit qu'ils sont fortement surreprésentés. De mémoire, l'an dernier en Moselle, on avait 15 accidents mortels de roues motorisées sur 48 au total. Et sur les 15, 11 concernaient des motos et 4 des cyclomoteurs. Donc il y a une vraie surreprésentation liée à la vulnérabilité des usagers, d'où l'intérêt de montrer. Là, on avait vu un atelier qui ciblait sur l'attention portée au regard, puisque là où votre regard va, la moto va. Donc il y a des spécificités à connaître quand on est conducteur de deux roues. Pour la journée, on sera 15 à œuvrer sur les différents ateliers qui sont mis en œuvre au profit des motards civils. Donc, encore une fois, le concept diffère un peu de ce qui avait été proposé l'année dernière. Sur une journée complète, on a une demi-journée consacrée à des ateliers de maniabilité et de prévention du risque routier, enfin, avec des ateliers liés au l'angle mort, liés à la mécanique et des ateliers de maniabilité. Et une autre demi-journée consacrée à l'étude de la trajectoire de sécurité telle qu'on la pratique nous en tant que motard gendarmerie à Fontainebleau, à l'École nationale de formation des motocyclistes, et un parcours de 70 km pour la mettre en application avec escorté, enfin c'est pas franchement escorté, mais en tout cas avec un motard gendarmerie qui est là pour ouvrir la route et puis pour faire les petits débriefings sur les différentes problématiques qu'on peut voir sur les gens lors de cette évolution sur un circuit. Alors il y a des messages que vous souhaitez faire passer aujourd'hui aux motards, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui? Les messages à faire passer, c'est que quand on est motard, il faut prendre conscience qu'on est une personne vulnérable sur la route, on a peu de protection et surtout on a un manque de visibilité, pas parce que on a qu'un seul phare, mais c'est que la physionomie de la moto est peu visible par un automobiliste. Donc il faut avoir énormément d'anticipation et toujours partir du principe que l'on n'est pas vu par l'automobiliste. Il y a trop d'accidents où un automobiliste a peut-être lui pas pris en compte la vitesse de déplacement d'une moto, ne l'a peut-être pas vu non plus. Donc il faut vraiment que les motards prennent conscience que quand ils sont sur la route, ils ont un déficit de visibilité qu'il faut prendre en compte en étant attentionné par rapport aux autres et anticiper constamment. Et que derrière, quand on a remisé la moto pendant quelques mois, c'est pas comme si on faisait du vélo, même si on n'oublie pas. Mais il faut de temps en temps remettre un peu du cœur à l'ouvrage et de faire quelques petits ateliers de maniabilité, ça fait du bien. Et surtout, ça fait aussi remettre un peu les gens en face de leurs réelles capacités. Alors comment se passe le déroulé de cette journée? Comment vous voyez un petit peu ces usagers de la route qui viennent pour cette journée? Alors déjà, premier constat, on a affaire à des gens qui sont très bien équipés, qui ont des belles motos, qui sont entretenues généralement. Donc on a des gens qui sont déjà prêts pour moi à mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir conduire en sécurité sur les routes du département. Après, on voit aussi que les niveaux sont assez hétéroclites. Donc il y a quand même quelques petites informations à faire passer, il y en a besoin.
des Uber. Qu'est-ce qui t'a intéressé plus particulièrement? Bah, le slalom, là, les choses qu'on ne fait pas souvent. Et le parcours qu'on a fait avec la gendarmerie, là. 70 km, 80 bons, là, c'est pas mal. À renouveler l'année prochaine? À renouveler, parce que moi je savais pas que ça existait, ça. Je vais essayer de venir tous les ans. Hein. C'est bien. C'est une bonne ambiance motard. Hein. Non. Comment vous avez trouvé cette journée? Super. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ça te permet de te resituer un petit peu dans ton niveau de compétence. On se rend compte qu'il y a encore du boulot. On n'est pas au bout de nos peines. Et la balade? Oh, c'est super. Hein. On se relaye à des places différentes. On te juge tout au long de la route. C'est top. Hein. Très bien. Très bonne journée. Et qu'est-ce qui vous a intéressé? Tous les ateliers, et la balade. Ben bien. Alors qu'est-ce que vous avez retenu justement dans ces différents plateaux? Ben l'histoire des trajectoires. C'était la première fois que vous le faisiez? Oui, c'était la première fois. Et la balade? La balade c'était bien aussi, ouais. Je veux dire, donc on était encadré, puis nous en. Il a donné deux, trois petites astuces quoi, pour, au niveau de la conduite, quoi, les trajectoires à suivre, etc. Père, magnifique. J'en reviens l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Bah, plein de choses, hein, au niveau de déjà de la sécurité, de rouler, de savoir le rouler. Quoi. Hein, plein de choses. Hein. Et puis les gendarmes aussi. Pour les gendarmes. Je reviendrai l'année prochaine.